Aujourd'hui, on va voir la découverte de Mercure. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, dans le système solaire. Vu qu'elle est très proche du Soleil, depuis la Terre, lorsqu'elle est visible, c'est toujours à côté du Soleil, ce qui peut rendre difficile son observation. Même si elle est un peu difficile à regarder dans le ciel, elle fait quand même partie des 5 planètes connues depuis presque le début de l'humanité, et donc visible à l'œil nu. Il faut attendre le 19e siècle, avec les télescopes performants, pour qu'on puisse commencer à réaliser les premières cartes de Mercure, qui se révéleront assez fausses ensuite. Pour ce qui est de l'exploration spatiale, Mercure est une planète assez difficile à atteindre, car elle est proche du Soleil. C'est la sonde Mariner 10, envoyée par la NASA, qui arrive à survoler la planète pour la première fois. D'abord en 1974, puis en 1975. La sonde va réussir à cartographier un peu moins de la moitié de la planète. Enfin en 2011, la sonde Messenger, envoyée par la NASA aussi, va réussir à se placer en orbite. C'est donc la première fois qu'une sonde est mise en orbite autour de cette planète. Grâce à cet orbiteur, on a pu obtenir la cartographie complète de Mercure. Cette sonde a aussi pu confirmer que Mercure ne possède aucun satellite.